Bonjour à tous. Alors, je vous propose. Alors, c'est extraordinaire. Sous une averse de grêle, je dis bien de la grêle, ce n'est pas de la neige, de visiter un bâtiment d'une grandeur aux dimensions conséquentes. Je ne vous cache pas que j'ai très très froid. Pour venir ici, je suis venu en vélo, j'ai dû faire 10-15 km. Maintenant, je pense que ce sera plutôt des couloirs, pas de la mort, mais les couloirs tout court, ce que mon ami Gilles dit, coquille. Alors, sous la grêle, donc nous allons visiter ce bâtiment. Donc, je ne vous cache pas que je n'ai aucune information. Tout ce que je puis vous dire, affirmer, c'est qu'il est immense. On va quand même rentrer, se mettre à l'abri, parce que ça. Ça fait froid, comme on dit. Alors, comme d'habitude, on va essayer d'identifier quelle était sa fonction.
Alors, nous avons quand même un ennemi. On voit bien que c'est construit comme un hôtel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie salle d'eau et une partie chambre. Donc, vu l'emplacement et l'hôtel, j'ai des doutes. Ah ! Là, il y a eu en direct ce qu'on appelle un coup de cœur, un coup de peur, pardon. Dans ce genre de lieu, on ne sait jamais vraiment sur qui on peut tomber. Donc, c'était vraiment indirect. Je ne couperai pas au montage. Nous aurait permis de subodorer. Merci. La mise en scène est d'une réussite imparable. Thank you.
elle s'est arrêtée. Donc on va finir, je redescends par les passages où les fenêtres ont été substituées. Donc a priori, est-ce que c'était le fameux hôtel militaire? Je ne crois pas. Je ne sais pas. A priori, il y avait des chambres, c'est sûr. Je vais quand même aller sous sol pour voir si les blocs opératoires, la morgue, pour confirmer si c'est un hôpital. Mais ce que je ne crois absolument pas. On continue ?